Bonjour à tous, me voilà pour un nouveau tutoriel pour vous faire un mini cake red velvet. J'ai vu cette photo sur Pinterest et j'ai juste accroché dessus tout de suite. Donc il suffit de faire un peu comme le macaron, vous faites deux tranches de rouge, une tranche de blanche et un petit carré de chocolat et vous les empilez les uns sur les autres comme vous allez voir dans la vidéo. Donc pour faire les petits ronds, j'ai utilisé une paille de chez McDo pour les pailles des frappés. Une fois que tout est empilé, vous faites les petites textures comme moi pour faire l'effet gâteau. Mon outil, je l'ai acheté sur la boutique Aïe la Création. De toute façon, je vous ferai une vidéo de mes derniers achats. Alors une fois que c'est fait, vous pouvez rajouter un peu de pastel sec si vous voulez pour foncer un petit peu le gâteau, c'est comme vous souhaitez. Moi, je n'ai pas souhaité le faire. Là, je fais le petit carré de chocolat qui va aller sur la chantilly. Je mets tout ça au four. Une fois que c'est fait, je mets la chantilly dessus. Et là, on va mettre le carré de chocolat. Hop, et moi, je décide de rajouter une feuille d'or pour que... J'adore les feuilles d'or, j'ai décidé d'en rajouter une petite. Sur la photo, il me semble qu'il y avait genre un petit grain de café enrobé de feuilles d'or, mais voilà. Donc voilà pour le petit tutoriel, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter la vidéo et je vous dis donc à très bientôt.